Il ne reconnaît pas avoir frappé cet enfant quelques jours avant. Donc il parle toujours d'un accident. Pour ce qui le concerne, il est dans l'expectative de savoir ce qui a pu causer la mort. Et si effectivement le corps de l'enfant est retrouvé très rapidement, au plan scientifique, nous pourrions avoir des certitudes et qui pourraient disculper mon client effectivement de cette violence. Ils sont deux dans cet appartement, dans cette maison. L'enfant en journée était mobile, vaquait à ses occupations. Sa mère était à proximité, une proximité géographique. Je ne veux pas accabler, je ne veux accabler personne, mais il y a effectivement une lumière à faire et à établir. Nous sommes au début d'une affaire, somme toute, relativement complexe.